Et merde, on se les gèle ici. Yo, push. Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui donc je vais vous présenter ce jeu Alaskan Adversary. Donc c'est un jeu qui a été donc qui est sponsorisé par Crazy Monkey Game et qui a été créé par shiftimid.com. Donc ce jeu donc là nous sommes actuellement sur l'écran titre. Donc je vais tout de suite mettre le jeu en haute qualité, comme ça ce sera fait. Donc on peut couper le son et le et les effets sonores. Ce jeu est trop dur. Il n'est pas très dur, il est trop dur. Donc je vais vous montrer rapidement. Donc c'est un jeu de stickman, de plateforme en stickman. Donc on dirige le personnage avec les touches directionnelles et on saute donc avec la flèche du haut et on attaque avec la barre espace. Donc on peut maintenir la barre espace donc pour attaquer plus, enfin pour enchaîner les coups, mais tambouriner la barre espace est plus efficace que de la maintenir. Voilà, donc ma barre d'énergie en haut est arrivé au maximum, donc je peux utiliser une attaque spéciale que je réserve pour le début du niveau 2. Donc là je viens de passer le niveau 1, enfin presque. Là c'est rien encore, mais alors je vous préviens tout de suite, je n'ai jamais réussi à dépasser le niveau 3. Donc on a le droit à des petites animations comme ça, mais il n'y a rien d'expliqué sur l'histoire. Donc j'ai utilisé un sort, donc pareil, le sort critique comme ça là de rage là, ça aurait été bien une petite animation, genre une petite vague jaune ou une connerie dans le genre. Là franchement non, le mec plante son bâton dans le sol et voilà quoi, tous les ennemis aux alentours meurent. C'est vraiment du foutage de gueule. Donc il y a également des plateformes qui bug, hein, donc bon, on peut s'en tirer avantage vis-à-vis des ennemis. Donc on a le droit à 3 continues. Donc lorsque l'on meurt, on reprend le niveau actuel auquel on est. Mais à la fin des 3 continues, on reprend le jeu à 0. Et vu que le jeu est quasiment infaisable, voilà. Donc je vais vous montrer le niveau 3, hein, parce que j'arrive pas à passer le niveau 3. Donc, si j'y arrive, c'est un miracle. Voilà, alors là, il y a une ronce, là. Putain, je me la prends à chaque fois, c'est pas possible. Je crois qu'on est obligé de se la prendre, en fait. Bon. Donc ici là, juste en dessous de la clé, il y a des pics. Et donc je vais les éviter, hop, mais faut savoir que si vous marchez dessus, ça vous one shot hein, pratiquement. Hein. Donc unlocking the level. Donc on a un timer mais il ne sert strictement à rien, hein. Il sert juste au high score à la fin. Donc pareil, l'histoire, on comprend que dalle. Je sais pas, l'hélicoptère, je sais pas trop ce qu'il vient faire là. Donc niveau graphisme, c'est très léger, hein, c'est du stickman en même temps. Ensuite. Bon. Donc niveau sonore, donc c'est très très vite agaçant. Niveau gameplay, le jeu est quand même assez réactif. Mais
mais vraiment dur. Donc voilà, la moindre erreur, vous perdez, quoi. C'est ça, le niveau 3. Donc apparemment, par contre, tous les 100... zut. Tous les 100 pics, là, des pics jaunes, là, on récupère une vie. Donc apparemment, j'ai eu le droit à 4 continues au mieux de 3. Bon, ça va peut-être m'aider, mais... pas tant que ça. Donc je me concentre à fond pour essayer de passer niveau 4 quand même, mais c'est impossible. C'est quasiment impossible, croyez-moi. Et pourtant j'ai de l'entraînement sur ce jeu. Hein. D'ailleurs je crois que j'ai jamais été aussi loin que là à l'instant. Voilà, game over. Alors, quand on est game over, on reprend tout à zéro. Donc, c'est extrêmement frustrant. Franchement, là, les gars, vous avez tout faux. Là, chez Shift Limit, vous avez tout faux, là. Même pas de système de mot de passe. Alors que ça, quand même, c'est quand même le minimum, quoi. Surtout sur les gens Stickman, c'est très, très fréquent d'avoir des mots de passe. Là, non, y a rien, quoi. Donc, bon, au niveau sonore, donc il n'y a vraiment que l'écran titre qui est assez agréable. D'ailleurs, je vais augmenter un petit peu le son pour que vous puissiez écouter. Voilà, bon. Mais vraiment, il n'y a que ça, hein, parce que dans le jeu, le son est très très désagréable. Enfin, la musique de fond est très désagréable, enfin, très très vite agaçante. Le gameplay, bon, il y a de l'idée. Je vais pas vous mentir, il y a de l'idée. Mais la difficulté est trop extrême. C'est impossible de faire ce jeu. Je ne connais personne d'ailleurs qui a fini ce jeu. Faut y passer des années pratiquement. Quoi. Faut y jouer tous les jours pendant des années pour pouvoir le réussir ce jeu. Donc voilà. Donc Alaskan Adversary, c'est un mauvais jeu. Je le dis sans problème, c'est un mauvais jeu. Vous pouvez tout de même l'essayer si vous voulez essayer du challenge. Sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si vous le désirez, et je vous dis à bientôt.